pétrole, gaz blanc, gasoline, kérosène, diesel, carburant, pile fou, autant de thèmes ça. Mais est-ce que réellement vous comprenez qui ça thème ça? Dans la vidéo, ça, objectif c'est Edo comprendre thème ça. Puis bien, si toutefois tu connais, et si tu ne connais pas tout, c'est Edo comprendre qui différencie entre thème ça. Et dans la fin vidéo, vous allez me connaître dans les commentaires, est-ce que tout bon vrai ou tu connais dans la façon ça? On allait très rapide. Pétrole c'est une source d'énergie qui peut utiliser dans le monde là. Il fait partie d'un groupe énergie qui est l'énergie fossile. Ils ont utilisé le terme fossile là, c'est juste parce que c'est une transformation des matières organiques qui ont joué en bataille. Et ça prend pile temps pour le décomposer pour venir nous énergie fossile. Parmi énergie fossile, nous avons pétrole, nous avons gaz naturel, nous avons charbon, etc. J'aime dire avant dans la vidéo, pétrole là c'est une source d'énergie qui est vraiment très importante dans le monde là. Et généralement, ils ont utilisé dans le domaine transport et pétrochimie. Et ils ont fait des couverte ça au dans mi-temps 19e siècle là précisément dans ville Pennsylvanie aux États-Unis. Pétrole là il présentait son forme de l'huile, yon l'huile qui relait l'huile minérale. Yon fois au fin extrait dans gisement qui stocké en bataille, yon prend le transporter pour y aller raffiner, pour y aller transformer ça qui va le banon des carburants. Par exemple, kérosène qui alimente moteur avion, ou a une gasoline qui dans machine, qui dans moto, qui dans paquet l'autre véhicule encore, et après ça, on va jouer une gaz propane qui c'est un carburant qui vraiment utilisé en termes domestiques. Ça veut dire dans caïmoun pour faire manger, etc. Et dans l'autre domaine, on utilise pétrole là encore, c'est dans l'autre domaine, on utilise pétrochimie. Pétrochimie, c'est une science qui est utilisée pour transformer pétrole là en plastique, bouteille, DVD et souliers, genre de bagaille ça, toutes sorties de pétrole. Gaz propane, on te parle là, il sorti à 70% de gaz naturel qui ont joué en batte à tout même j'ai joué pétrole là et à 30% tout qu'on joue gaz pour pas ça dans pétrole là tout lorsque a fait processus pour raffiner pétrole ça on joue gaz pour panne ça. Et par rapport avec toute l'autre source énergie qui utilise dans le monde là, pétrole là c'est une source énergie qui vraiment plus bon marché. Mais comme ça tout, il y a des inconvénients. Parmi les inconvénients, pétrole là, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Il dégage un paquet de CO2 dans l'atmosphère là, CO2 ça qui nous les gaz carbonique là. Et l'autre bagage encore, pétrole là, il est en quantité limitée dans ce sol là. Malgré jusqu'à présent, il y a beaucoup fait toutes découvertes gisements qui existent, mais pétrole là, lui-même, il y a une quantité qui est vraiment limitée. Et l'autre plus gros inconvénient qui vient dans la question pétrole ça, c'est que pétrole là c'est une source énergie qui provoque plus guerre dans le monde là, qui provoque plus conflit dans le monde là. Et une partie dans le monde là qui plus riche en gisement pétrole, c'est Moyen-Orient. Et nous connaissons plus bien passé zone ça, c'est une zone qui toujours gagne un paquet de conflits. Et tout conflit ça est généré par rapport avec pétrole qui gagne dans zone ça. Et au fait qu'on est dans dernier jour ça la production pétrole là est vraiment décliné dans dernier année ça là. Et c'est une raison qu'il faut après un paquet de gouvernement ou bien un paquet d'institution à prôner pour qu'ils soient capables d'aller vers une énergie qui est renouvelable parce que pétrole là lui-même n'est pas capable de répondre avec quantité de demande qui gagne à travers le monde là. C'est un plaisir de partager avec vous, même ça me connaît, ça me fait recherche sur lui. Et si vous faites mes vidéos, on seul bagarre vous capable faire, c'est partager vidéo pour l'autre monde capable enjoy lui, même ensemble avec vous. Et si vous faites pourquoi abonner sur page, m'a invité vous faire ça parce que nous toujours prenons le soin pour nous porter des informations qui vraiment intéressantes pour la communauté haïtienne. N'abonnez-vous une autre fois pour une autre vidéo qui vraiment intéressant. Ciao ciao.